là, c'est un pays auto. On a une Porsche 911 Turbo F juste ici. Tout de suite, image. Incroyable, 911 Turbo S, 560 chevaux. Trêve de plaisanterie, on va vous faire écouter ça. C'est parti, suivez-moi. Les amis, cette voiture est équipée d'un 6 cylindres à plat, 3,8 litres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, tout ce qu'on peut voir de ce moteur, de ce 3,8 litres, c'est très bête, c'est très très bête. Voilà. Vous pouvez le voir, nous sommes sur les bords de Marne, la Marne est assez haute, regardez bien, donc c'est une phase 1. On a ces magnifiques jantes avec un écrou central, des freins non céramiques, très très gros, ça freine super fort. Bien, voilà, regardez-moi ce volant magnifique. Donc phase 1, on n'a pas les nouveaux volants. Regardez-moi ça, on a des options sympas. On a sport, sport plus pour les suspensions, mettre en dur ou normal. Regardez-moi ça sur les portes, on a du magnifique carbone. En guise de son, on a du Bose. On a les portes gobelets juste ici. Ça, c'est magnifique. Les amis, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de place à l'arrière. Regardez mes genoux, regardez-moi ça, c'est incroyable. J'ai Superman. C'est une voiture d'égoïste, de place, mais en tout cas, ça nous procure beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup cette voiture. J'aime mieux la place à l'avant. À l'arrière, c'est n'importe quoi. Je n'avais plus de genoux. Amis, on s'est un petit peu perdu, voici où on a atterri. Turbo S 458 Space Chalet à Barthes Lotus, sympa. Là vous avez une Lotus Evora, une Ferrari 599, une Abarth 595, une Lotus Exige, une 458 Special et la Turbo S qui est juste ici. C'est sympa tout ça, c'est sympa. Les amis, on se laisse jusqu'ici. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Et voilà.